Alléluia. Ça, c'est de la bonne parole. Get ready, somebody. Alléluia. Amen. Au commencement, Dieu in the beginning, God créa le ciel et la terre. Created heaven and earth. La terre était informe et vide. The earth was formless and empty. Et il y avait and there was le ténèbre à la surface de l'abîme. Darkness all over the earth. L'esprit de Dieu and the spirit of God se mouvait au-dessus des eaux. Above the waters. Hallelujah. Amen. Si vous allez dans Jean chapitre 1, if you go to John chapter 1, là-bas il dit ceci. There he says this. Au commencement était la parole. In the beginning was the word. Genèse dit au commencement Dieu. Genesis, he said, in the beginning God créa le ciel et la terre. He created heaven and earth. Mais Jean il dit au commencement était la parole. In John he said in the beginning it was the word. Et la parole était avec Dieu. And the word was with God. La parole était Dieu. And the word was God. Toutes choses ont été faites par elle. Everything was created by him. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nothing that was created without was en created without. En elle était la vie. In the word was the et life. La vie, la lumière de and the son. Life, the life, the light of qui dit man. Vrai? Who is qui saying dit the faux? Who is saying the truth? Who is saying the false? Sur Genèse qui dit vrai? Who ou c'est Jean qui dit vrai? Who is saying the truth? Who is lying? Parce que tous deux parlent du commencement. Because all of them is speaking about the beginning. Moïse qui a écrit le Pentateuque. Moses that write it. C'est-à-dire le livre de Genèse. The book of Genesis. Était écrit par Moïse. Was written by Moses. Il dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. He said in the beginning God created heaven and earth. Mais quand nous regardons dans Jean, le disciple, l'apôtre de Jésus, il va dire au commencement était la parole. When we look at the book of John, the et la parole Jesus, était avec Dieu. In the beginning was the word with God. Jean nous fait comprendre que au commencement il y avait pas seulement Dieu, mais il y avait deux personnes. John make us understand il y avait la parole God, et person. Dieu. Mais Moïse nous fait comprendre qu'au commencement, il n'y avait pas deux personnes. Il y avait seulement une seule personne. C'était Dieu. One person that's God. Qui dit vrai? Who is saying qui dit truth? Faux? Nous sommes à l'école. We are at school. Institut scientifique de Jésus-Christ. Institute, Scientific Institute of Jesus Christ. Au commencement, Dieu. In the beginning, God. Mais l'autre dit, au commencement, la parole. The other one said, in the beginning, the words. La parole était avec Dieu. The word was with God. Cela revient à dire come to say, quand la Bible dit Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, c'est de ça dont il s'agit. Il y a toi you, et il y a la parole en toi. And there is a word in you. Et c'est la parole qu'on appelle le souffle. And it is a word that we call the breath. Le souffle, c'est celui-là qu'on appelle l'esprit. The breath that we call the spirit. Quand Dieu a créé Adam à son image. God created Adam in his image. Il a créé pour qu'il soit comme lui. He created him so that he may be like qu'il him. Qu'il travaille comme lui. May he work like qu'il him. Qu'il domine comme lui. He control like c'est him. C'est pourquoi il a dit remplissez la terre. That's why I say filled up the earth. Et assujettissez-la. And control it. My God. Est-ce que quelqu'un me comprend? Is somebody understanding me? Donc Dieu va créer l'homme comme une statue. God will create a human being like a statue. Il va prendre le souffle. Son souffle. His breath. Cela veut dire son esprit. That means his spirit. Qui mouvait sur les eaux. That was moving. Il va prendre cet esprit là. It will take that spirit. Il va souffler dans l'homme. It will breathe it in man. En réalité, in reality, on peut dire que Dieu est entré dans la statue. We can say that God have entered et la statue, in the statue devient une âme and the statue vivante. Become a living soul.
Hallelujah. C'est le même processus. It's the same process. Qui va se produire à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. That will produce by the coming of Jesus Christ. La Bible appelle le deuxième Adam. The Bible call him the second Adam. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible parle du deuxième Adam. In Corinthians chapter 15. La Bible dit le premier Adam a péché. The first Adam sinned. Le monde entier a été condamné à cause du péché du premier Adam. The whole world were condemned. Mais le deuxième Adam n'a point connu le péché. But the second Adam le deuxième Adam, c'est l'empreinte de Dieu. The second Adam. Est-ce que je parle à quelqu'un? Of God. Le deuxième Adam, c'est l'empreinte de Dieu. The second Adam. C'est la personne de Dieu. C'est la même chose au commencement. It's the same thing the beginning. Adam devait représenter Dieu sur la terre. Adam needed to represent God. Adam a échoué. Adam failed. Mais Jésus n'a pas échoué. But Jesus did not fail. Il a rempli sa mission. He accomplished. Il est sorti vainqueur. He came out a conqueror. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I talking to somebody? Hallelujah. Le premier Adam est resté charnel. The first Adam became carnal. Parce qu'il avait perdu la nature de Dieu. Because he lost the nature of God. Il est resté charnel. He became carnal. Vulnérable. Vulnerable. Dieu va lui dire. God will tell him. Comme tu as désobéi. Because you have disobeyed. De la poussière je te prie. From the dust de la poussière tu retourneras. And to the dust ou à la poussière tu retourneras. And to the dust you go back. Il lui dit. He says. Il dit au serpent. He said to the snake. Serpent, désormais. Snake. À partir d'aujourd'hui. From now. Tu vas ramper. You will crawl. Donc le serpent autrefois il marchait, moi je savais même pas. The snake the other day. Il avait walking. Des jambes, je savais he pas. He had a leg, I didn't know. Oh si, il y avait des YouTube à cette époque-là. If there were YouTube on aurait days, pris des on aurait pris des images du serpent. We would have taken the image avec of the ses deux jambes. With his two legs. Mais on apprend qu'il n'a plus ses jambes. We heard that he don't et have his leg dit, again. Et on dit tu mangeras la poussière. And they say you will eat that dust. L'homme retournera à la poussière. Then we go back to the dust. Et le serpent mangera la poussière. And the snake we ate the l'homme dust. Sans Jésus est vulnérable. Man without Jesus l'homme is vulnerable. Sans Jésus est une poussière. And man without Jesus l'homme is sans dust. Jésus est la nourriture du serpent. Man without Jesus is the food of snake. Et il a prêché là. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas saisi. Il a prêché. My God. Hallelujah. Cela veut dire. That comes to say. Dieu a créé l'homme en forme d'une maison. God created a human being as c'est a house. Pourquoi la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. That's why the Bible says we are the temple of the Holy Spirit. Dieu a créé ce temple pour y résider lui-même. God created a temple for us to dwell in it. Hallelujah. Amen. Hallelujah. C'est vrai. My God. What a grace. C'est pourquoi ne vous étonnez pas. That's why don't be surprised. Si vous entendez de ses bouches, vos secrets commencent à sortir. If you hear from this mouth, your mais secrets c'est are coming out. C'est lui qui est à l'intérieur. Oh. C'est celui qui voit toutes choses. My God, il a prêché encore. Il a prêché. Ça c'est formidable ce soir. Jesus. Hallelujah. Amen. L'homme. Man. Qui a péché? La sin. A perdu la présence de Dieu. He lost the presence of God in him. Dieu sort de ce temple là. God came out of that temple. La maison est restée vide. And the house will remain empty. Oh et my comme God. La maison est restée vide. Because the house has been empty. N'importe quel esprit. Any kind of spirit peut venir y habiter. Can come and enter it. Mais l'apparence de la maison reste la même. But the appearance of the house par là, remain nous pouvons dire les apparences sont trompées. That's why we say the appearance can be deceiving. My God. Tu peux acclamer pour la grâce. La maison sans son habitant ne peut rien faire. The house without c'est celui qui habite la maison qui fait toutes choses. The one that live in the house that si do everything. Si celui qui habite la maison est un voleur, if the one that live in the house on is va a appeler thief, la maison du voleur. We will call the house of thief. Oh my God, il est en train de prêcher. Oh Seigneur, merci Jésus. Il n'y a plus de paix dans ce monde. There is no more peace in this world. Sans Jésus, on est perdu. Without Jesus, we are lost. Ça, c'est vrai.
Parce que le corps qui était censé d'abriter Dieu, the body that was called to, ce n'est plus Dieu qui est là. To dwell in. It's not God more, no more inside. Les gens nous trompent. People are deceiving us. Les apparences. Appearance. Hallelujah. Vous savez, la nature du serpent est dangereuse. You know the nature of the snake is dangerous. Le serpent ne dit jamais je suis là. The snake never say I am here. C'est il vrai. Est toujours là en train de se cacher. He's always here hiding himself. Si tu le vois, if you see him, c'est qu'il est déjà à tes côtés. Then he's already next to you. Tu n'auras pas le temps de fuir. You will not have a time to run. J'ai vu les serpents paralyser un éléphant, un grand animal comme ça. I saw a snake paralyzing an elephant. Il a regardé. He looked at him. Il a fait ça. And he spit on him. Jesus Christ. Le serpent. Snake. Dans le corps humain, in the human body, il y a beaucoup de serpents cachés. There are a lot of snakes hidden. Hallelujah. C'est ça la guerre des esprits. That is the war of the spirit. La guerre des esprits, ça se passe là. The war of the spirit is happening here. La Bible here, dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. The Bible says my people perish because they lack knowledge. Empty. L'homme a perdu la grâce de Dieu, il a perdu la présence de Dieu. A man lost the presence of the grace. Il est devenu vulnérable. He became vulnerable. Le diable entre. The devil et enter. Il commence à le conduire. And begin to control et quand him. Un esprit méchant entre en toi, when a evil spirit enter you, la première des choses qu'il va faire, the first thing he will do, je l'ai déjà enseigné. I have already teach je ne tarderai pas là-dessus. I will know, allez regarder mes enseignements précédents and follow my teachings de la semaine passée. Là. L'esprit de l'homme, the spirit of human being, est comme de l'air. It's like a wind. C'est le vent. It's like a wind. Le souffle. Breath, the breath. C'est ça l'esprit. That is a spirit. Donc il n'y a pas de différence. There is no difference. Entre esprit et esprit. Between spirit sont toujours and spirit. Et quand ça se mélange. And when it mingle. Ça se mélange. It will mingle. Il y a que celui qui a fait les esprits. Only lui seul peut voir la différence. That make the spirit can see the difference. Hallelujah. Vous-même en vous, vous ne savez pas voir la différence. You in you, you cannot see the difference. Mais qu'est-ce qui va arriver? What will happen? Vous allez remarquer que vos habitudes changent. You will notice that your behavior has changed. Avant de te marier, before you get married, tu n'avais jamais envie de courir après les hommes. You had no desire to mais run by, depuis que tu es marié men, avec cet homme-là, and you say you are married with this man, tu commences à le tromper. Pas possible. And you begin to cheat on him, no possible. Et toi-même tu dis mais comment ça se fait? You yourself you say how je can this be? Je vais tromper mon mari. I cheat on mais my husband. Pas, je suis faible. I am so weak. L'esprit on le voit pas. Spirit you cannot see. Il peut entrer en toi sans que tu saches que l'esprit méchant entre en toi. It can enter you without tu vas voir seulement tes habitudes changent. Si c'est un esprit de cigarette, tu commences à avoir envie de fumer. The spirit of cigarettes enter toi you qui have ne fumes pas, tu commences love à fumer. Et tu veux arrêter, mais tu n'arrives pas à arrêter. But you cannot parce stop que ce n'est pas toi qui fumes. Because it's not ton esprit ne fume pas. Your spirit is mais c'est l'esprit qui est venu squatter cette maison-là. But c'est spirit cet that esprit-là qui fume. Body. He is the one that smoke. Mon enfant était intelligent. Beaucoup disent, ah mon enfant, mon fils était intelligent. Il travaillait bien à l'école. My son is very intelligent. He worked good at school. Parce que son esprit est arrêté. Son esprit est devenu prisonnier. His spirit had been arrested. He became a prisoner. L'intelligence, la conscience, la subconscience se trouve dans le domaine de l'esprit. Is in the spirit realm. Maintenant, comme son esprit est captif, because his spirit is captive, l'esprit qui est venu là, and the spirit that c'est come un here esprit de la stupidité. Is a spirit of spirit. Et l'enfant devient stupide. And the child becomes stupid. L'enfant ne sait plus parler. The child don't know to speak anymore. Hallelujah. Amen. C'est pourquoi. That is why. Dieu va parler par le prophète. God will speak through the prophet. Il dit quand je viendrai. He said when I will come. Je m'appellerai Emmanuel. I will be called Emmanuel. Dieu avec nous. God with us.
tu es devenu comme un moteur affaibli, alors on va prendre des pièces, on va travailler ce moteur-là. Le moteur qui était un moteur de Renault 4 devient un moteur de Porsche. Engine that was an engine of a Renault 4 mais toujours, became an engine of Porsche. Toujours dans le pavé de Renault 4. But in the same body of the Renault 4. Vous n'avez jamais vu ça? Have you never seen it? Regardez dans les Formule 1 là-bas. Look at the Formula 1. Vous allez voir une petite voiture, mais à l'intérieur un car, gros moteur. There's a big engine. Et quand ça fait when it, it c'est ce like qui peut se passer dans ta vie. That is what will happen in en your life. Recevant Jésus comme by Seigneur et Sauveur, Jesus as a Lord and Savior. Jésus vient dans ta vie par l'Esprit. Jesus came in your life through the L'Esprit, Spirit. Spirit. On ne peut pas l'arrêter. We cannot arrest him. Cela veut dire that le mystère qui est dans l'Esprit. The one that is in Spirit. Hein? Dieu est grand. God is big. Infiniment grand. Endlessly big. Mais il peut venir habiter tout entier dans ce petit corps. He come c'est and ça live le mystère body, de l'Esprit. Completely. That is the mystery of Spirit. Vous comprenez? You understand? Dieu Esprit. God is a Spirit. Il vient ici. He came here. Il entre dans le corps de chaque personne. Il nous remplit tous de sa présence. He enter in the body of every ce n'est pas beaucoup de dieux. Un seul Dieu. One God. Mais il nous remplit tous de sa présence. He fills us all with il his presence. Nous booste. He boosts nous us. Devenons tous des dieux. We become all notre of us langage God. Est adapté our language par rapport is adapted. Au langage de Dieu. Recording the language cela of God. Dire, si l'esprit méchant entre en toi, if the evil spirit enter you, il te bloque. He block you. Alors il pousse ton esprit and he block your spirit à être comme lui. To be like him. Puisque l'esprit méchant because evil spirits a les capacités, have ability. Il est doué. They have il est plus fort que l'esprit humain. Is more alors quand il arrive dans human un spirit, être humain, when he came to a human il being, l'empêche. He hinders de faire sa volonté. To do his c'est ça qu'on appelle la captivité. That's what we la call Bible captivity. Dit Jésus est venu libérer les captifs. The Bible says Jesus came to set the captive free. Acclam. Je ne veux pas fumer, mais tu smoke, fumes toujours. Je ne veux smoking. Pas boire, mais tu n'arrives ne n'arrête pas d'abandonner l'alcool. Je ne veux pas sortir. I don't want to come out. Oh, sortons seulement. But I can't on va do boire it. Seulement. Sortons, I don't want sortons. To drink, but I'm still voilà doing en boîte de nuit. Mais tu ne voulais I don't pas want sortir. To go to club, tu te retrouves en boîte it. De nuit. But et le matin, tu es bourré. And the morning, you are drunk. Je ne sais pas quoi, mais je sais. What you say? Mais tu es incapable de dire non. To say no. Alors quand l'esprit méchant sort, when the evil spirit will come out, tu as besoin maintenant de l'esprit de Dieu en toi. You need the spirit of God in you. Comment recevoir l'esprit de Dieu? How to receive the spirit of nous God? Nous recevons l'esprit de Dieu. We receive the spirit of God. Par la parole. Through the words. Alléluia. Amen. Parce que la parole est esprit. Because the word is a spirit. En écoutant la parole de Dieu, by listening the word of God, si nous croyons, c'est pour la Bible, si vous croyez, vous verrez la gloire de that's Dieu. What the Bible says, if you believe, donc, you see the glory si tu of God. Crois, if you believe, l'esprit de Dieu entrera en toi. The spirit of God will enter en écoutant you la parole. By listening the et word of God. Quand l'esprit de Dieu vient habiter en toi, if the spirit of God is la première chose, the first thing premier first, travail, the first word, c'est de parler à ton esprit. Is to speak to your spirit. L'esprit humain, human spirit, afin que l'esprit humain et lui marchent ensemble. So that he may work together with this human spirit. Vous me comprenez? You understand? Acclame. Saint-Esprit aide-nous. La différence entre l'esprit humain et l'esprit du diable, c'est quoi? The difference between human quand spirit l'esprit du diable the spirit vient dans ta vie, when the spirit of the devil il ne cherche life, pas à te convaincre. He did not find out mais to convince il you. Te domine. He will control you. Il commence à te contrôler. He began to control you. À te pousser à faire des choses que tu ne veux pas. To push you do mais things l'esprit that you don't de want. Dieu en venant chez toi, the spirit of God by coming il ne to te you. Dominera pas. He will not control mais il you. Te convaincra du péché, he will convince you de about la justice et du jugement. Unfaithfulness and the judgment. Hallelujah. Amen. Il
te laisse le libre arbitre. He will give you a free will. C'est pourquoi dans Deutéronome il dit, je mets devant toi deux chemins. That's why in Deuteronomy le chemin de la vie et de la mort. A way of life and way of death. Je te conseille de choisir la vie. But I advise you afin to que tu vives toi you may live et tes enfants. You and your children. Acclame. C'est pourquoi nous prenons le temps de prier, de parler plutôt d'abord. That's why we take our time to talk. Ce que je fais là, what I'm c'est doing. Ça le travail du Saint-Esprit. It is the work of convaincre, to convince, communiquer la connaissance. To communicate. Et si vous acceptez cette connaissance, if you vous accept, vous laissez convaincre. C'est en ce moment-là, le Saint-Esprit the Holy Spirit va prendre sa place dans votre take vie. His place in your life. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Vous devenez Alleluia. Son partenaire. You became his partner. Vous devenez le fils de Dieu. You became the son là of God. Là on peut parler de la nouvelle naissance. Where will we talk about new? Pourquoi? Parce que il va commencer à tout changer dans votre vie. He will begin to change everything in your life. Tu marchais autrefois comme ça. You were working the other day maintenant like this. Il te dit non mon fils. Now he said no. À partir d'aujourd'hui comme tu m'as accepté. From now we regarde comment tu dois marcher. Now look how you marche walk. Droit devant toi. Walk. Ne regarde ni à gauche ni straight à droite. Before me. Alléluia. Look at left nor right. Ton langage était toujours négatif, 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 négatif. Was always negative. Moi je mourrai, moi je mourrai, hein? Moi ça marchera pas, ça marche jamais. Ah, dans notre famille ça va pas. In dès que l'Esprit de Dieu entre en toi, il commence à te convaincre. Il dit tout est possible à celui qui croit. Langage change. Your language change. Tu étais prostituée. You were prostituée. L'esprit entre en toi. The spirit of il commence à God dire, you, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. No more condemnation. Tu n'es plus prostituée, tu deviens fille de Dieu. You are no more fils de Dieu. You are hallelujah. Amen. Alors, une fois que cette connaissance est venue en toi, as soon as the knowledge came, l'esprit qui était sorti, the spirit that came out, les esprits qui sont sortis de vos corps là, the spirit that came ils vont out vous attendre body. Quelque part là-bas en route. They will wait for you somewhere. Oui. Quand il va sortir, when he will come out, le copain là, your boyfriend, parce que l'esprit qui est sorti de chez ton corps, the spirit that came out of il se trouve body. Encore chez ton ami là, ton copain, he's still in your boyfriend. Avec qui tu partageais le péché. With who you were sharing the sin. Vous étiez en train de partager la mort tous les deux. Tu manges un peu, lui aussi mange un peu. You eat a little bit, he eat a little bit. L'esprit est sorti ici. Now that spirit mais de l'autre côté, il n'est pas sorti. Alors il t'attend là-bas. And they are waiting for you. Et il met dans son cœur l'envie de te voir. Parce que lui veut retourner. To see you. Et quand toi tu vas sortir, when you will come out, déjà là tu n'es pas encore sorti, il y a des appels, il y a des messages dans ton téléphone. Je t'ai dit, vérifie ton téléphone tout de suite là. I say control your phone right now. Et dis-moi la vérité. And tell me the truth. Vérifie, je te laisse le temps. Control your phone and tell vérifie me the truth. Vérifie ton portable. Toi, il vient d'écrire. Non, il a emmené un message. Et il a envoyé un message. C'est une chanson. Il t'a envoyé une chanson. Oui. Hey! Tout de suite, il n'y a même pas 5 minutes. Même pas 5 minutes. Son cœur bat. Chérie, mon amour, tu me manques. Je vais mettre la chanson. Écoutez. Il y a 5 minutes là. Elle est liée à l'église. Son chéri envoie la chanson. Hey! Regardez ça. Enlevez, pardon. N'ouvrez pas la porte du diable ici. C'est trop dangereux ces choses-là. On ne joue pas avec les démons. We don't play with demons. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. Hein? Hallelujah. Ne jouez pas avec les démons. Don't play with the demons. Regarde. Il y a 4 hommes ici dans cette salle. There's a 4 men in this room. J'entre dans le prophétique maintenant. I am entering the prophetic. Mon œil est ouvert. My eyes are open. Il y a 4 hommes ici. There's a 4 men. Ces hommes-là sont importants. Those people are weak. Ils sont sexually. Devenus importants. They have become weak sexually. Pourquoi vous êtes devenus importants? Why you became weak? Ça vient à cause des rapports sexuels. It came because of the sexual ces intercourse. Ces rapports sexuels-là. Because of the sexual hors intercourse. Mariage. Without marriage. Venez recevoir la délivrance. Ton temps est arrivé, cours vite.
Ton temps est arrivé. Où sont-ils? Ils ont honte, les hommes. Hein? Acclamez le Seigneur. Acclamez pour Jésus. Venez recevoir votre délivrance. Venez, 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 venez. Venez recevoir. Venez, mon Dieu va vous délivrer. Regarde. J'entre dans une rue. I'm entering in the street. J'entre dans une rue maintenant même. I enter a street. Je vais aller te chercher là-bas dans ta rue. I will go to find you. Je suis arrivé dans ta rue. I've come in your street. J'entre dans ta rue. I enter in your street. J'arrive devant la porte de ta maison. I came before the door. Je vois du début à la fin de ce bâtiment là, c'est vitré. I see from the beginning and the end of the building. Vitré. It's a glass. La porte s'ouvre. And the doors open. J'entre dans la maison. I enter the house. C'est qui? Who is that? Frère, c'est toi? Moi, je suis marié, mais par contre. Viens là. Acclamez pour Jésus-Christ. Où sont les deux autres hommes? Where are the two other Je men? M'en vais dans une autre rue. I'm going in another street. J'arrive au carrefour de cette rue là. I'm coming in the crossroad. Je suis au carrefour. And roundabout. Thank you. Je vois une maison. I'm seeing a house. Cette maison là. And this house. Est très belle. It's very beautiful. Cette maison se trouve juste au coin de la rue. It's in the corner of the street. La rue. The street. Derrière moi, c'est une grande avenue. Behind me, there is a big road. Cette rue là, c'est bizarre, hein? Il y a beaucoup. C'est comme si this street is very bizarre. C'est comme il y a plusieurs rues encore là. It's like a lot of streets. C'est ton avenir. Hey, my God, ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Hallelujah. Tu étais juste là, assis là. C'est ta femme. Le diable est rusé. The devil is wicked. Satan est rusé. Satan is wicked. Des fois, vous sentez la faiblesse dans votre corps. Sometimes you feel Mais weakness cette faiblesse in your body. Là peut se déplacer. But that weakness can move. Peut devenir une maladie grave. It can become a heavy sickness. Ça peut devenir un cancer de prostate. It can be a prostate cancer. C'est ça. Acclamez le Seigneur. Vous voyez pourquoi le Saint-Esprit a révélé cela? You see why the Holy Spirit revealed it? Viens, il t'a donné le résultat. Toi, tu es qui pour elle, pour lui? Tu es sa femme. Oui. Tu savais pas sa copine. Sa copine. Oui. Hey, viens ici, toi aussi. Tu t'es trahi toi-même. Viens. Et ici. À dater d'aujourd'hui. Faut Today. L'épouser. Hein? C'est bon, il a déjà commencé. Tu as déjà commencé. Oui, à Kinshasa, des familles, c'est bon. Il a donné son enveloppe. Ok, c'est bon. Voilà. C'est bon. Vous êtes en ordre. Donc ça, c'est le résultat. Oui, tout à fait. Échographie rénale et prostatique. Jésus-Christ de Nazareth. En fait, c'est... une sorte de, je ne sais pas le terme médical, hypertrophie, quelque chose comme ça. Donc c'est le début de, ce n'est pas le cancer, c'est le début de, du prostate. Du prostate. Alors le prostate gonfle et ça, ça s'affaisse sur la vessie. Mais ça termine comme ça. Justement. C'est ça que j'ai dit, ces démons-là, qui commencent comme s'il ne va rien faire, comme s'il t'affaiblit seulement, oh, en réalité, il connaît sa mission. Il va arriver là où il veut arriver. Parce qu'il vient pour voler, égorger et... The demon came to steal, kill and to destroy. Mais aujourd'hui là, nous lui disons... Bye bye. Acclame. Fermez vos yeux. Out in the name of Jesus. Go. Jesus name. I command you to go. Out in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. Out in the name of Jesus Christ. Go. Allez, come on. Allez, come on.
Ouch, in the name of Jesus Christ. Go. Quitte cet homme. Il ne mourra pas. Il vivra. Au nom de Jésus. Sois libre toi aussi. C'est quelque chose de quitte. Ouch, in the name of Jesus. Acclamez. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Restez là où vous êtes. L'agneau est sous. Tous ceux qui n'ont jamais béni leur mariage, vous pouvez faire comme eux. If you have never blessed your marriage, you can do with them like them. Venez, je vais bénir votre mariage. Mettez-vous là comme ça. Tous ceux qui veulent se marier, vous êtes mariés dans la famille, mais jamais béni le mariage, venez, je vais vous bénir. Venez. Quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais passer à l'action maintenant. I will go in action right now. C'est Tipe Makanzu lui-même qui vous bénit. It's Tipe Makanzu himself that bless. Et si je vous bénis, vous êtes béni. If I bless you, you are blessed. Hallelujah. Amen. Ne vivez jamais dans le péché. Don't never live in sin. Ouvrir la porte sexuelle dans ta vie. Opening a sexual life in la Bible dit c'est pécher contre ton propre corps. Is to sin against your own body. Tous les péchés que nous commettons à l'extérieur du corps. Everything that we commit outside our body. N'ont pas assez de pouvoir. Have no many power. Comme le péché sexuel qui est à l'intérieur du corps. Than the sexual sin that is in your body. Le péché le plus dangereux. The most dangerous thing. Qui tue en silence. That kills in silence. C'est le péché sexuel. A sexual sin. Et c'est ça qui détruit le monde. And that is what destroys the world. Dans une vitesse incroyable. In a high, very high speed. C'est le péché sexuel. A sexual sin. Parce que c'est le péché qui se trouve à l'intérieur du corps. Because it's a sin that is inside your body. Faites très attention. Be careful. Avec votre corps. With your body. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Your body is a temple of the Holy Spirit. Vous comprenez? You understand? Laisse-moi vous montrer ce mystère. Let me show you the mystery. La Bible dit si un homme part avec une prostituée, the Bible says when the man go with the prostitute, il devient avec un même corps. He became with her one, cela veut one dire, flesh. That quand tu vas coucher avec une fille, you will sleep with a woman. Tu deviens avec cette fille-là un même corps. You became with a woman a alors flesh. Si, comme vous êtes marié, because you are married, le mari trompe sa femme, the woman, il devient avec cette femme-là un même corps. He became one flesh in comme that il body. Est un même corps avec sa femme. Like he is a one body. Et automatiquement, cette femme-là se retrouve dans le corps de sa femme. That woman will find et sa femme se retrouve dans le corps de l'autre femme-là. And the wife will donc, find vous devenez un être monstre. You became a monster. Et vous commencez à sentir une présence dans votre corps. And you will begin to feel c'est a comme ça, in your body. Chaque fois vous dites, je sens des choses circuler dans mon corps. That's why I say every time mais oui, ce sont des ADN des autres personnes. Those are the DNA of other même people. Les scientifiques ont compris ça. Even ils ont remarqué que dans les corps de certaines personnes, dans leur sang, on peut trouver les ADN de plusieurs personnes qui ont couché avec. And they find out that you can find the DNA of many people that they sleep with. Vous comprenez? Parce que la vie se trouve dans le sang. Because the life of the flesh is ne in the blood. Ne jouez pas avec votre corps. Don't play with your body. Ne laissez pas votre corps à n'importe qui. Don't give your body to anybody. Si l'on vous bénit, when la Bible bless, dit la bénédiction de l'Éternel, the blessing of the Lord, ne peut être suivie de chagrin. C'est-à-dire la bénédiction est devenue comme une protection pour vous. The blessing became a protection. C'est fini. It's over. Ne faites pas entrer une autre personne dans vos couples. Don't bring another person in your couple. C'est fini à dater d'aujourd'hui. It is finished from today. La tromperie est finie. The cheating is over. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus dans cette salle? Hallelujah. Si vous trompez votre partenaire if you cheat, avec you know, quelqu'un qui a de la sorcellerie, with somebody that il va vous contrôler facilement par le biais du sexe. Ça, c'est vrai, l'homme de Dieu. Il va vous contrôler par le biais du sexe. Tout ce que tu fais, il sait.
Everything that you do, he tout ce que tu penses, il sait. Everything you think about, parce qu'il est déjà ou elle est déjà dans ton système. Because he's already connected to you in your system. Vous êtes devenu une même personne. You become one flesh. Donc quand tu penses, when you think, elle aussi elle pense. C'est ça que vous appelez la télépathie. She think, that what you call telepathy. Oh, il a prêché. Je dis qu'il a prêché. Tu peux acclamer. Tu ne comprends pas, tu as des projets de faire ceci. À chaque fois, les projets n'aboutissent pas. Chaque fois que tu veux faire, ça se casse. Ça you se casse plan. Parce Anytime que elle you want to prosper in your plans, it does not work. Tu étais sorti avec. Because you went tu l'as with laissé her. Tomber. You mais elle her. Ne t'a pas laissé tomber. But she did not left elle you. Est en colère contre toi. She's angry against ça you. Fait des années vous êtes séparés. Many years you are mais elle est toujours dans ton but corps. She's still in your body. Come on. Il s'attaque à moi. Il s'attaque à toi, voilà. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a pas eu une autorité pour chasser cette présence-là. Because there was no authority to mais cast out the presence. Aujourd'hui, but from today, la bénédiction vient sur vous. The blessing is coming. Automatiquement. Automatically. Ces esprits-là quittent le corps. Oh, clap. Those spirits are leaving your body. Hallelujah. Amen. Enlevez vos alliances. Je vais bénir ça. Amen. J'ai un témoignage. Tu as un témoignage? Oui. En fait, il y a encore 3 jours, nous étions séparés. Il y a encore 3 jours, vous étiez séparés? Oui. Et aujourd'hui, le mariage. Regardez-moi ça. Ça, c'est merveilleux, ça. Et comment ça se fait que vous êtes ensemble maintenant? Je vais vous expliquer. On se connaît il y a 19 ans. 19 ans qu'on se fréquente. Mariés depuis 10 ans. Et depuis 2012... Notre vie a basculé en fait. Depuis 2012. Tout a dégringolé. Ça a commencé par la maladie. Après la discorde. Je ne le supportais plus. On ne s'entendait plus. On se séparait. On se remettait ensemble. Je le renvoyais. Voilà, c'était tout un. Voilà. Donc là, ça fait bientôt 2 ans qu'on était séparés. Qu'on vivait chacun notre vie de notre côté. Donc à chaque fois qu'il m'appelait, ben. Je l'envoyais balader, je ne l'écoutais même pas. Et je vous ai découvert sur YouTube il y a une semaine. Tous les jours, je regardais vos vidéos. Et dans mon cœur, je disais, ben, je ne sais pas si j'ai un problème. Pourquoi je renvoie mon mari, en fait? Je peux entendre que les autres me disent que je suis jolie, que... C'est toi qui le chassais? Non, c'est moi, souvent, c'est moi. C'est toi-même qui le chassais? Oui. Il a souffert. Et je me disais, ben, oui, beaucoup. Et je me disais, mais peut-être que j'ai un problème, pourquoi je le renvoie, pourquoi je ne l'entends pas. Il peut me dire qu'il m'aime, mais je l'envoie balader. Ou que je peux entendre quelqu'un d'autre me dire ça. Jesus. Oui. Et donc ça fait une semaine, je regardais tous les jours vos vidéos sur YouTube. Mm. Et dans mon cœur, je me suis dit, ben, il faut que j'aille là, quoi. Voir si j'ai un problème. Et au bout des 7 jours... Je regardais tous les jours toute seule parce que je vis chez moi et lui, il est chez lui jusqu'à aujourd'hui. Donc, je me suis dit, il faut que j'aille là. Peut-être que j'ai un problème. Au bout des 7 jours, il m'envoie votre vidéo sur mon WhatsApp. La vidéo de votre premier jour de mes ici. Le thème, c'était « Pourquoi tant de divorces ?» Voilà. Donc, j'ai vu votre visage sur la vidéo et je l'ai encore emballé. Je lui ai dit, ben, j'ai déjà vu ça. Et le lendemain, j'ai réfléchi. J'étais assise au salon, chez moi. Je réfléchis et je l'appelle, il est au travail. Alors, je lui dis, tu m'as envoyé une vidéo hier. Tu penses que je suis possédée? Il me dit... pourquoi tu me poses cette question? Je lui dis, je veux savoir ce que tu en penses. Il me dit, ben, quand je vois comment tu réagis avec moi, tu ne m'écoutes même pas. Je pense que oui. Je lui dis, ben, d'après toi, ce serait depuis quand? Alors on est resté dans cette réflexion. Depuis quand ça a commencé à changer entre nous? Qu'est-ce qui n'allait pas? Les signes en fait qu'on a pu voir. Et le lendemain, il me dit... je vais cuisiner, tu veux venir manger à la maison? Je lui dis, ben, j'ai pas envie de sortir, je vais pas conduire. Et il me dit, ben, je viens te chercher. Il est venu me chercher. Et on a repris la discussion.
Et je lui dis, tu sais, la vidéo que tu m'as envoyée, tu peux me la remettre? On a regardé la vidéo. Et je lui dis, tu sais, ça fait une semaine que je regarde ces vidéos-là. Et il n'arrivait pas à retrouver encore où il m'avait envoyé le truc. Et je lui dis, ben, tu sais, lui, je le connais, ça fait une semaine que je le suis sur YouTube. Donc j'ai pris son ordinateur portable, j'ai tapé JP Makenzou. Et on a commencé à regarder les vidéos. Il a pleuré. Et je lui dis, ben, je veux que tu m'emmènes là. Il m'a dit, ben oui, si tu veux, ben, je vais programmer ça pour la semaine prochaine, le 17, il me disait. J'ai dit non, mon anniversaire c'est le 8 août, je veux aller là-bas. Je veux mourir et renaître de nouveau là-bas. Jesus. Rasata kabosete. My Jesus. On est les combien aujourd'hui? Aujourd'hui, tu vas naître. Amen. De nouveau. Et quand tu vas fêter ton anniversaire le 8, tu penseras à ce jour. Alléluia. Aujourd'hui, vous serez mariés légalement devant Dieu. Oh my God, Jésus, tu es merveilleux. Ah, si ma canne avait des fétiches, la magie, c'est pas bien comme ça là. Une magie qui sauve le couple. Ah, oh Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Father, thank you for your grace. Aujourd'hui, today, il y a un esprit qui est tombé. Vous avez vu cet esprit danser là. You see the spirit that was dancing. C'est un esprit qui domine le monde aujourd'hui. It's a spirit that controls the world today. L'esprit des eaux. C'est ça qui a failli détruire ce couple. That is the spirit that wanted to destroy this couple. C'est un esprit très dangereux. It's a very dangerous spirit. Il a détruit beaucoup de foyers. It destroyed a lot of homes. Chaque fois que son mari venait près d'elle, elle ne le sentait pas. Anytime the husband would come towards her, she could not feel it. C'est cet esprit qui fait ça. Ça, c'est votre anniversaire de mariage. Ah oui, oui. Le jour de la dot, c'était aujourd'hui. C'était aujourd'hui. C'est le 7 août, on s'est marié. Allez. C'est vrai. Acclamez le Seigneur. Il n'y a pas d'hasard devant Dieu. Regarde quel cadeau Dieu Tout-Puissant va le faire aujourd'hui. Jésus, merci. There's no coincidence in the Lord. Maintenant, tenez-vous. This is the gift of the Lord for them. Tenez-vous, mettez-vous l'alliance comme ça. Et mettez ta main comme ça. Seulement avec ça. We serve a wonderful God. Voilà, tu mets tes alliances, les deux, tu mets ta main comme ça. Tiens ton mari. Voilà, il n'y a pas de problème. Tenez-vous comme ça. Ce n'est pas grave. Voilà. Je vais prier pour vous. Lève nos mains. Dans les directions. La Bible dit, the Bible says, je te donne les clés. I will give you, ce que tu fermeras sur la terre I give you the key, what you close in sera the earth, fermé au ciel. Will be closed in heaven, en qualité de serviteur de Dieu, of servant of the Most High, je présente ces couples I present this couple devant le Seigneur du ciel et de la terre, before the God of heaven and earth, devant ses anges, before his angels, et devant les humains, before the human beings, ainsi que devant tous les esprits qui errent dans le monde. Parce que aujourd'hui, today, la parole de Dieu s'accomplit dans leur vie. The word of God is coming in fulfillment in their life. Ce que Dieu unit, what God personne put together, ne saura le séparer. À dater d'aujourd'hui, from today, je bénis ces couples. I bless this couple. Au nom de Jésus de in Nazareth. The mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Je bénis ces couples. I bless this couple. Je bénis ces couples. I bless this couple. De la bénédiction d'Abraham, of the blessing of Abraham, d'Isaac, Isaac, et d'Israël. And Israel. Au nom de Jésus de Nazareth. In the mighty name of Jesus je Christ. Dis soyez bénis. I say be blessed.
Je vous unis dans le lien de mariage. I unite you in the covenant of marriage. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' mighty name. Je bénis votre couple. I bless your couple. Soyez bénis. Be blessed. Soyez prospère. Be prosperous. Au nom de Jésus-Christ. Be prosperous. Je vous déclare mari et femme. I declare you husband and wife. À dater d'aujourd'hui. From today on, je vous bénis. I bless you. Je vous unis. I unite you. Au nom de Jésus. In Jesus' mighty name. Personne ne saura vous séparer. Nobody can put you asunder. Les maris de nuit et les femmes de nuit. The spirit husband and spirit wife. Sont obligés de quitter votre they couple. They must leave your couple. Au nom de Jésus de Nazareth. In the mighty name of Jesus. Soyez bénis. Be blessed. Et soyez féconds. And be fruitful. Multipliez-vous. Multiply. La stérilité vous quitte. Barrenness leave you. Les enfants viennent. Children came. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Je vous déclare mari et femme. I declare you husband and wife. In Au Jesus' name. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je vous bénis. I bless you. Je vous unis. I unite you. À dater d'aujourd'hui. From today on. Je vous déclare mari et femme. I declare you husband and wife. Soyez prospères. Be prosperous. Multipliez-vous. Multiply. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' mighty name. À dater d'aujourd'hui. From today. Au nom de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus. L'esprit qui vous séparait. The spirit that was separating you. N'a plus de place dans ce couple. I have no place in this body. Au nom de Jésus-Christ. Esprit impur. You unclean spirit. Sors. Come out. Ne reviens plus. And never come back Au again. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Esprit méchant. You evil spirit. Tu n'as plus de place dans ce you couple. You have no place in this couple. Le cœur de cette femme. The heart of this woman. Est revenu vers son mari. Have come towards his her husband. Le cœur du mari. And the cœur the heart of femme. The man towards her wife. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. L'anomalie sexuelle. The weakness is in the body. N'a plus de place dans ce couple. Have no place in this body. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Soyez fécond. Be fruitful. Multipliez-vous. Multiply. Je vous déclare marié. I declare you husband and wife.